Bonjour, chers invités. Il y a la ministre de la Fédération Wallonne, enfin Bruxelles, qui va arriver. Nous n'avons qu'un intervenant en visio. Nous allons très vite commencer parce que nous avons très peu de temps, finalement. Donc, on va essayer de faire des interventions assez courtes. L'idée est de partager aujourd'hui des initiatives innovantes, plutôt numériques, souvent. En tout cas, l'idée, c'est de fédérer, de renforcer et de développer l'accès du livre. Dans le cahier de proposition des États généraux, on comprend bien que les technologies et les initiatives politiques peuvent lever des obstacles à ces problèmes de circulation des œuvres et à l'accès de la culture. Alors, pour commencer ce tour d'horizon très éclectique, je vais demander à Néphine Khaled, directrice de la langue française et de la diversité des cultures francophones à l'OIF, de nous parler de sa propre initiative. Merci à tous, bonjour. Alors, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que je pourrais avoir ma présentation, s'il vous plaît ? Oui, alors donc je vais vous parler des centres de lecture et d'animation culturelle. C'est une histoire, une belle histoire à succès. Qu'est-ce que c'est ces centres de lecture et d'animation culturelle ? Eh bien, c'est une initiative qui a été lancée par notre organisation il y a plus de 30 ans. Elle a réussi puisque aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il y a à peu près 320 CLAC qui sont répartis en Afrique subsaharienne, dans la Caraïbe, en Océan Indien, mais également en Asie. Et dont 23 pays de l'espace francophone. Et il y a à peu près 3,5 millions de visiteurs, c'est-à-dire, pour vous faire une idée, la population d'un pays comme l'Uruguay. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces bibliothèques ? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? Eh bien, elles sont localisées dans les régions les plus reculées, les moins favorisées de la planète, c'est-à-dire dans les régions rurales et périurbaines. Alors, ces claques, puisque c'est également le titre de notre séance, sont, voilà, tout à fait, ça claque, oui, et ce sont des outils fédérateurs. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, il y a pour les activités annuelles d'un réseau de claques de 10 claques, vous avez ces chiffres-là, mais il faut savoir que les claques, c'est un lieu qui est essentiellement fréquenté par la jeunesse africaine. 80% des publics du CLAC sont des jeunes de moins de 20 ans, alors que dans les pays du Nord, le public des bibliothèques est plutôt des personnes beaucoup plus âgées. Donc c'est pour bien expliquer que nous sommes dans cette priorité d'aller vers les jeunes et ça marche vraiment bien. La deuxième chose importante à souligner pour ce réseau de CLAC est le fait que c'est aussi, comme vous pouvez le voir, un dispositif fédérateur. Pourquoi fédérateur ? Parce que c'est un levier pour plusieurs autres actions. Outre le fait que, bien entendu, c'est un lieu où se partage le livre, et il faut savoir là prêter, il y a quelque chose d'important que je voudrais souligner, c'est que l'OIF, et nous sommes responsables de la dotation en livres et du renouvellement des fonds de livres qui sont donnés au CLAC, et nous sommes très attentifs à ce que l'offre de livres soit une offre adéquate à la demande et qu'en aucun cas ce soit des invendus ou des ouvrages issus de désherbage qui pourraient au contraire provoquer la lassitude ou le désintéressement. Donc nous sommes très attentifs au choix et à la qualité de l'offre des livres. Il y a un fonds pédagogique dans chaque CLAC, c'est-à-dire qu'il est destiné aux enseignants pour les aider à avoir des ressources, mais il y a aussi un fonds scolaire pour les livres qui sont étudiés dans les programmes de l'éducation nationale du pays, et également un fonds par pays. Alors, je parlais tout à l'heure d'un dispositif fédérateur parce que, effectivement, le CLAC est un levier pour permettre d'organiser des campagnes de sensibilisation, notamment des campagnes, par exemple, autour des mariages précoces. Non, est-ce qu'on peut revenir en arrière, s'il vous plaît ? Voilà. Les campagnes précoces de mariage précoce, les campagnes pour les excisions, pour les grossesses prématurées. Donc, c'est un lieu de sensibilisation et de plaidoyer. C'est un lieu également où on est très attentif à l'égalité femmes-hommes, puisque, à ce jour, 45% du public des claques sont des jeunes femmes ou des filles, puisque nous avons dit qu'il y avait énormément de jeunes. Comment est-ce que nous avons pu attirer les filles
qui n'était pas le premier public de ces lieux, eh bien, en changeant les horaires d'ouverture des claques, en les rendant plus adéquats au programme des femmes, souvent qui ont des tâches domestiques et des tâches de maman à assumer, mais aussi en s'assurant qu'il y a des toilettes et de l'eau courante, et très souvent les jeunes filles venaient dans les claques en premier lieu pour pouvoir profiter de l'eau courante, et c'est après qu'elles sont fidélisées et qu'elles s'attachent et qu'elles prennent de l'importance et qu'elles ont de la curiosité pour le livre. C'est également un lieu où on peut expliquer aux jeunes l'importance d'avoir une carte d'identité, donc de s'inscrire à l'état civil, et c'est également un lieu qui a été un lieu de consultation lors de la grande consultation jeunesse qui a été lancée par la secrétaire générale de l'OIF. C'est un lieu où nous avons pu questionner les jeunes et avoir donc leur regard, leur voix, leurs opinions. Diapositive suivante, s'il vous plaît. C'est également un lieu où nous avons lancé cette année, bien entendu en étroite collaboration avec la collectivité et l'État, qui accueille donc ces claques, ce que nous avons appelé Claque en scène, qui est un programme culturel qui permet à nos lauréats des Jeux de la francophonie de s'investir dans leur propre territoire, c'est-à-dire, par exemple, de travailler avec les jeunes des claques pour présenter des spectacles vivants de lecture, chanter et danser. Diapositive suivante. Alors, il faut savoir que les claques sont une réussite parce qu'elles sont l'union bienheureuse d'un triptyque entre l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui, comme vous pouvez le voir et comme je l'ai dit, est chargée de la dotation et du renouvellement des œuvres, mais aussi de l'expertise de son expert, puisque nous formons les animateurs et nous aidons la collectivité et l'État à aller à la recherche de bailleurs de fonds. Mais seul l'OIF ne peut pas investir les claques et réussir dans les claques. Il faut absolument une appropriation de la collectivité et de l'État. Et c'est à partir de ce triptyque bienheureux que cette appropriation a lieu. Et il faut savoir qu'il y a 20 ans en arrière, les claques étaient à 80% financées par l'OIF et à 20% par les États. Aujourd'hui, fort heureusement, la tendance est contraire. 80% pour les États et 20% pour l'OIF, ce qui veut dire que l'appropriation s'est bien faite. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, la diapositive suivante, c'est pour vous dire que, voilà, que nous avons également été attentifs à tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est-à-dire que le passage vers le numérique se fait également dans les claques depuis maintenant 2 années, avec la modernisation de l'offre grâce à un petit boîtier boutique qu'ils appellent dans les claques le boîtier magique. Alors c'est un petit boîtier sur lequel il y a du contenu numérique et ce contenu numérique est consultable sans avoir accès à Internet, c'est-à-dire sans connexion Internet. Et vous comprendrez que dans ces lieux dont je vous ai parlé, qui sont des lieux excentrés, qui sont des lieux défavorisés, il y a bien souvent très peu de connectivité. Et donc, c'est un outil qui est mis à disposition de ces jeunes avec cette tablette que vous voyez et qui leur permet de consulter en ligne, sans être connectés, un ensemble de ressources numériques que nous mettons à leur disposition. Et diapositive suivante. Et nous avons également, depuis cette année, nous allons déployer dans les claques ce que nous appelons la littératie numérique, c'est-à-dire que nous allons aider les jeunes, grâce au programme, au projet Déclic, à avoir une formation à l'utilisation et au développement des outils, des compétences pour qu'ils puissent utiliser les outils numériques, parce que très souvent, il y en a beaucoup même qui n'ont pas ces compétences, et donc nous les accompagnons dans ce désir de les familiariser aux outils numériques et de leur donner cette possibilité d'entrer résolument dans l'avenir, comme cela est l'une des priorités de notre organisation. Voilà, je pense... Oui, une dernière diapo, il y a bien encore une dernière diapo, et j'aurai fini. Et tout cela, bien entendu, pour aller dans le sens de l'appui et de l'accompagnement de l'OIF aux politiques nationales de lecture publique. Cela étant, bien entendu, le chapeau qui fédère cet ensemble de réseaux, ce réseau des centres de lecture et d'animation culturelle. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Est-ce qu'on a la connexion avec Michel Robitaille? Tout à fait. Bonjour, oui, Monsieur Robitaille. Je suis là, vous m'entendez? Oui, moi je vous entends et vous nous entendez? Très bien. Parfait. Vous êtes président du conseil d'administration. De c'est votre côté, ça. Vous avez créé une bibliothèque numérique. C'est bien ça. Donc, le Centre de la francophonie des Amériques a comme mandat de mettre en mouvement la francophonie des Amériques. C'est un organisme créé par le gouvernement du Québec et de favoriser le rapprochement avec les communautés qui sont essaimées partout dans les Amériques. On parle de 33 millions de personnes. J'avais un diaporama, un PowerPoint, je ne sais pas s'il est disponible, mais toujours est-il que pour les atteindre, nous avons, dès le début de la création du centre, favorisé les technologies nouvelles et le numérique. Au fil des ans, nous avons créé des programmes, mais nous recevions des demandes de personnes de l'Ouest canadien, du Yukon, de la Nouvelle-Angleterre, de la Louisiane, de l'Amérique latine, de la zone Caraïbe, nous demandant comment favoriser l'accès à des livres en français. Alors, en 2014, nous avons créé la Bibliothèque des Amériques, une bibliothèque numérique qui... si vous pouvez passer à la prochaine diapositive, vous allez pouvoir voir cette francophonie des Amériques. Si vous voyez bien, donc, on parle d'un peu plus de 10 millions de francophones au Canada, 11 millions aux États-Unis, 9 millions dans la zone Caraïbe et presque 3 millions dans les Amériques. Alors, diapositive suivante, la Bibliothèque des Amériques, donc nous l'avons. Elle a ceci de particulier, c'est qu'elle est composée de 16 000 livres qui sont des livres écrits par des auteurs francophones résidents dans les Amériques et publiés par les 200 maisons d'édition qui se trouvent dans les Amériques. Donc, assez unique, nous voulons à la fois répondre aux besoins les gens de pouvoir avoir accès à des livres en français, mais également nous voulons célébrer et mettre en valeur les auteurs et autrices qui proviennent des Amériques et également les maisons d'édition. Donc, le livre est accessible gratuitement. Il suffit d'être membre du Centre de la francophonie des Amériques et c'est aussi gratuit. Et les livres sont disponibles pendant 22 jours. Donc, la personne qui l'emprunte peut donc l'utiliser pendant 22 jours. Afin de susciter encore plus d'intérêt pour cette Bibliothèque des Amériques qui fait à peu près 50 000 prêts par année, nous avons créé les rencontres littéraires de la Bibliothèque de la francophonie des Amériques. Et ces rencontres littéraires permettent à des étudiants, soit du niveau primaire, secondaire, post-secondaire, universitaire, de rencontrer un auteur. Donc, nous contactons des professeurs de français ou les professeurs de français nous contactent. Nous les mettons en relation avec un auteur. Et puis, les étudiants, à l'aide de la Bibliothèque des Amériques, vont lire donc l'ouvrage en question. Ensuite, vont rencontrer l'auteur pour permettre un échange et parler de l'œuvre. Pour vous donner un exemple très concret, nos deux prochaines rencontres, le 20 octobre, l'auteur Pierre-Roux Ross-Tremblay, qui est franco-ontarien, présentera son ouvrage aux étudiants de l'Université nationale autonome du Mexique. Un peu plus tard, l'auteur haïtienne Émilie Prophète échangera sur son roman « Un ailleurs à soi » avec des étudiants de l'Université fédérale de Lampa au Brésil. Alors, vous voyez, ce sont des exemples très concrets de l'utilisation de cette Bibliothèque des Amériques. Également, nous avons des livres audio, toujours accessibles gratuitement, et nous avons une série contes pour enfants, pour les enfants de 3 à 6 ans. Alors, et ce qui est particulier, c'est que ces livres sont lus par les auteurs. Donc, une autre façon de rendre cette littérature très accessible. Donc, la bibliothèque est disponible 24 heures sur 24, 6 jours par semaine, et on a beaucoup de succès et on a pu répondre à ce besoin qui est criant de pouvoir avoir accès à de la littérature en français. Voilà. Merci beaucoup, M. Robitaille. M. Aliusso, vous êtes directeur général des éditions Gandal et président de l'Association nationale des éditeurs du Ghana.
Quelle est votre initiative dont vous voulez nous parler? Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. En fait, je vais parler du cadre continental africain pour la formulation des politiques nationales du livre, un outil qui a été développé à l'initiative de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA, et l'Union africaine. Et ceci en partenariat avec l'Alliance mondiale du livre, AML, qui est plus connue sous son acronyme anglais Global Book Alliance, donc avec un soutien de l'USAID. Et donc, pour dire que depuis avant-hier ici, lors de la journée ressources éducatives, en passant par hier et ce matin encore, il y a eu déjà tellement de plaidoyers touchant à la nécessité et à l'importance d'avoir des politiques nationales du livre et de la lecture dans les pays francophones, en particulier ceux du Sud, que je ne vais pas revenir sur l'importance de la question. Je ne sais pas si le diapo que j'avais soumis est disponible, sinon je vais aller de toutes les façons, s'il ne l'est pas, au message essentiel. En fait, je résume le constat actuel, c'est que depuis près d'une quinzaine d'années, dans la plupart des pays africains francophones notamment, et à toutes les rencontres touchant aux questions du livre et de la lecture, on parle toujours de la nécessité d'avoir un cadre réglementaire avec les options juridiques et économiques qui pourraient favoriser aussi bien le développement d'industries nationales du livre dans les pays francophones et avec comme élément sous-jacent le renforcement des associations nationales professionnelles regroupant les acteurs aux différents maillons de la chaîne du livre. Et aux questions touchant tous les aspects tarifaires. Parce qu'il faut savoir que dans bon nombre de pays africains francophones, le livre et l'ensemble des intrants à sa fabrication sont encore fortement taxés par les douanes et aussi les importations de livres, l'exportation de livres, tout est sujet à taxation. Ce qui, bien évidemment, et vous le comprenez facilement, a une incidence directe sur le développement des industries nationales du livre, sur la production, la distribution et l'utilisation des livres, et ce, dans un continent où, comme vous le savez, plus de la moitié de la population est très jeune. Donc, ça veut dire que ces populations jeunes n'ont pas accès aux livres, qui est pourtant l'élément fondamental pour leur éducation, pour faire d'eux des citoyens conscients, des citoyens éduqués et des citoyens intégrés à leur environnement. Ce qui fait que si on prend l'autre bout important qui est la rareté, sinon l'absence de livres qui est conséquence de ce que je viens de dire dans les écoles, eh bien vous rendrez compte que malgré tous les efforts que les États et leurs partenaires techniques et financiers ont mis durant les 30 dernières années pour aider à l'approvisionnement en manuels scolaires, on se rend compte aujourd'hui encore que dans bon nombre de pays, les ratios livres-élèves sont extrêmement bas et que du coup, les besoins sont énormes. Ajoutant à cela que, contrairement à ce que beaucoup croient, ce n'est pas fondamentalement les manuels scolaires qui aident à créer des compétences et des habitudes de lecture, mais c'est plutôt ce qu'on appelle les matériels complémentaires de lecture, donc les livres de lecture. Et ces livres de lecture sont généralement absents des classes, au point que vous vous rendez compte que dans bon nombre de ces pays, et toutes les évaluations récentes le prouvent, c'est que les élèves ont de la difficulté, même déjà à la fin de l'école primaire, de lire et de comprendre un texte basique. Et c'est vrai que de notre point de vue, cette éducation se fait généralement dans une langue étrangère pour eux, qu'est le français, contrairement à ce qui aurait pu se produire si les enseignements étaient donnés dans les langues que les enfants parlent et qu'ils connaissent et qu'ils comprennent, qui sont leurs langues maternelles. Mais tout ceci mis ensemble, ça prouve qu'il y a une dynamique que tous les pays devraient
engagée aujourd'hui. Et comme je l' ai dit à l'entame de cette intervention, tout le monde ici s'accorde sur la nécessité d'avoir des politiques nationales du livre. Nous avons, dans ce document cadre de politique continentale, formulé une vingtaine de piliers sur lesquels devrait reposer une bonne politique nationale du livre et de la lecture. Assez souvent, du côté de l'UNESCO et d'autres partenaires, vous entendez davantage parler de politique nationale du livre. Mais nous, dans la réflexion actuelle, nous nous disons qu'il va être difficile, dans un contexte de pénurie totale et de manque d'utilisation, de découpler la notion de politique du livre et de la notion de politique de la lecture. Pourquoi ne pas les combiner et les voir de façon holistique? Et c'est ce que ce document de politique continentale essaie de décrire. Et pour ne pas trop allonger le débat, je vais vous dire que ce document est disponible sur le site. Il est disponible pour tous les pays francophones. Et ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que la plupart des pays adoptent ce cadre continental. Nous avons déjà, en décembre 2019, juste après avoir fini de valider ce document, organisé à Abidjan une rencontre de 11 directeurs nationaux du livre et de la lecture des pays francophones d'Afrique pour leur expliquer en quoi consistait ce document cadre continental pour la formulation des politiques nationales du livre, qui est un guide et qui est un outil pour aider les pays à formuler de façon efficace et de façon pertinente leur politique nationale du livre. Maintenant, nous en sommes arrivés, il y a quelques mois, à produire une boîte à outils. Parce que c'est vrai que le document de cadre continental de politique de formulation est un outil que certains verraient un peu théorique. Donc il fallait le faire atterrir sur une approche pratico-pratique qui pourrait inciter les ministères de la culture, les ministères de l'éducation, en partenariat avec les acteurs privés de la chaîne du livre dans les pays et tous les autres départements ministériels et les ONG, les acteurs de la société civile, bref, tous ceux qui de près ou de loin concourent à la vie du livre dans le pays. Donc cette boîte à outils est aussi disponible maintenant et nous souhaitons que les pays francophones sachent que ces outils existent. Ils n'ont pas à se casser la tête pour réinventer la roue. Il suffit de s'adresser à l'ADEREA, qui est l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, pour obtenir ces outils et avoir les accompagnements techniques nécessaires pour leur faciliter l'exécution de ce travail de formulation. Je vais m'arrêter là et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sow. Hubert Pédurand, on change complètement de domaine. Vous allez nous parler d'une imprimerie numérique, pour le coup, d'un petit robot. Oui, je vais vous parler de la plus petite imprimerie de livres au monde, mais je souhaiterais lancer une petite vidéo. Ça va nous faire de la détente de 2 minutes 30, c'est ça? De 2 minutes 30. Voilà, oui. Allez, séance cinéma. Gutenberg & Compagnie, c'est une société qui est ouverte à l'ensemble du secteur de l'imprimerie. Une petite imprimerie à la demande permet de fabriquer des livres. Notre objectif, c'est de créer le contexte favorable à ce que nous nous mettions en ordre de marche pour essayer d'apporter une alternative aux plateformes de e-commerce qui centralisent la distribution du livre. Le projet Gutenberg One est un projet français qui consiste à proposer au marché français des amateurs de livres
des livres édités ou des livres parfois auto-édités, une technologie qui permet de fabriquer le livre à la demande sur le lieu de vente et au moment où le livre est vendu, avec une technologie robotisée, totalement numérique, qui permet d'obtenir des coûts de fabrication qui sont des coûts extrêmement favorables par rapport à ce que l'on pourrait obtenir avec des technologies traditionnelles. Avec ce système, on est capable de rééditer des livres qui ne sont plus édités et même d'éditer à la demande des livres que vous avez écrits, que vous souhaitez imprimer, que vous souhaitez relier en docker et coller, comme si c'était un livre sorti d'une grande imprimerie. Aujourd'hui, les imprimeurs ont besoin de ce genre de machine pour pouvoir à la fois réimplanter l'impression au cœur des librairies et des médiathèques et également répondre aux besoins consommateurs situés sur la personnalisation des documents ou encore l'impression à la demande. Nous souhaitons transformer les stocks en flux et imprimer du livre à l'unité devant le client en moins de 5 minutes, sans stock, sans logistique, sans coût écologique. Je représente aujourd'hui donc les imprimeurs de France au titre de l'Union des Soirements. Je tiens aussi à vous dire que nous sommes dans un processus malheureusement de désindustrialisation de notre secteur, puisque en 10 ans, la France a perdu 1433 imprimeries, c'est-à-dire 34% des entreprises, et 20 792 salariés ont quitté définitivement le secteur, à un moment où nous sommes dans une guerre de tranchées, c'est-à-dire que le numérique, c'est bien. Continuons à ne pas donner de visibilité à la culture sous sa forme papier, qu'elle nous échappera définitivement. Et on est en train, là, de faire la part belle avec la dématérialisation aux acteurs du e-commerce qui demain vont supprimer les libraires, supprimer les bibliothèques. Donc je fais un appel à la République du livre et du livre imprimé au plus près de ce qui est fondamental pour nous, c'est le lecteur final. Quel est son besoin? Est-ce que vous savez que par an, il y a 130, un peu moins, 1 500 000 nouveaux livres qui arrivent sur le marché, sur la planète Terre, et qu'un libraire moyen ne peut avoir que 15 000, 20 000 références en stock. À part Amazon, je ne vois pas comment on va pouvoir concurrencer et proposer un assortiment à la hauteur d'une culture qui se mondialise. La France a un rôle majeur dans cette dynamique, et le brevet qui frappe Gutenberg One, il se trouve que je connais bien l'inventeur de ce brevet, puisque vous l'avez en face de vous, et je propose à la République française de mettre à disposition gracieusement ce brevet pour le bien commun. C'est une annonce que je fais aujourd'hui à Madame la Ministre, ici présente. Je donne mon brevet à la République française de façon à ce que, collectivement, nous nous mettions en ordre de marche pour concurrencer Amazon. Et faire de la francophonie un territoire d'excellence, faire des bibliothèques, des Fab Labs de l'excellence, pour que nous puissions faire la promotion de notre culture. Et je serais tenté de vous dire également, comme le disait Kamel Daoud hier, que lire Balzac en arabe, c'est aussi défendre la culture française. Google référence aujourd'hui 130 millions de titres différents depuis l'Antiquité. Dans cette innovation, dont nous sommes les promoteurs au niveau national et maintenant francophone et mondial, dans 3 mètres carrés au sol, vous pouvez avoir 130 millions de références. Un livre, quand est-ce qu'on va le produire? Est-ce qu'il faut l'importer et se dire on va serrer très fort les fesses pour espérer le vendre, ou voir s'il y a un public qui est intéressé par ce livre? Ou est-ce qu'il faut dire on n'est pas en train d'assister à un renversement du marché qui n'est plus un marché de l'offre, qui est un marché de la demande? Que veut le client final? Le marché de l'offre, c'est aussi pousser des best-sellers, c'est aussi aller vers une forme de pensée unique,
de dire ça, ça fonctionne bien. Donc Musso, qui vient de sortir son livre le 21 septembre, la planète francophone doit être inondée du Musso. Non, pour moi, ça, c'est pas ça la culture. La culture, c'est la diversité. Et les 7 ans de recherche et développement que nous avons fait collectivement sur cette innovation majeure, c'est aussi de mettre la diversité à la disposition du plus grand nombre et de se dire que ben voilà, la pensée unique c'est bien, mais la diversité c'est mieux. Je vois aussi qu'il y a des tensions sur les prix, je vois qu'il y a une problématique de tuyauterie en fait et une problématique également du législateur. J'ai proposé un peu de manière fantasque, on commence un petit peu à me connaître, j'ai proposé à Mme Bachelot, dans une note que je lui ai remise lors de la fête de l'humanité et du dîner de la presse, enfin plutôt Mme Ben-Simon-Veller, j'ai proposé que nous, collectivement, que nous réfléchissions, comme le suggérait d'ailleurs M. Dutilleul ce matin en visioconférence avec le SNE, j'ai proposé que nous réfléchissions collectivement à une loi langue élargie. Alors, on n'est pas là pour légiférer dans les pays de la francophonie, mais le fond du problème, c'est le prix et c'est le pouvoir d'achat. C'est comment, collectivement, on va rendre possible cette occupation des sols pour faire que le livre papier soit adapté à chaque marché. Je pense que nous avons un début de réponse avec ce brevet que je propose en bien commun à la République française. Merci beaucoup. On a hâte d'avoir la réaction de la ministre. Laurence Engel, je ne sais plus si c'était Engel ou Engel en fait. Engel. Présidente de la Bibliothèque nationale de France, vous allez nous parler de votre autre fonction, la présidence du réseau francophone numérique. Oui, merci beaucoup et merci d'avoir pu organiser tout cela en vrai et en ligne. Oui, le thème de notre réunion, et vous soulignez le fait que les initiatives qui sont présentées là sont très diverses les unes des autres, on voit bien quand même qu'il y a beaucoup de connexions, beaucoup de points de rencontre, en tout cas de points de rencontre dans les questions qu'on se pose les uns et les autres autour du soutien à la lecture et à la diffusion du livre en langue française. Et les bibliothèques contribuent bien sûr à cet enjeu. Et en effet, je ne parle pas seulement comme présidente de la Bibliothèque nationale de France, qui fait aussi de l'impression à la demande, parce qu'on a bien compris que c'était une des manières d'assurer la présence du livre auprès de lecteurs éloignés de lieux physiques, mais comme présidente du réseau francophone numérique, qui est une fédération, puisque c'est l'un des thèmes que vous portez, une fédération d'institutions patrimoniales, bibliothèques et archives notamment. Alors, peut-être quand même redire l'importance des bibliothèques dans les questions qui sont les nôtres. On parle beaucoup de chaînes du livre. On est très tous préoccupés, à travers une politique du livre et la lecture, de soutenir tous les maillons de cette chaîne, qui sont pour la plupart des maillons présents dans le secteur privé. Mais les bibliothèques contribuent évidemment à non seulement à la réflexion, mais à faire en sorte que le livre soit présent physiquement, numériquement, présent à l'échelle internationale en langue française. Alors, je voudrais juste, avant de parler du réseau francophone, rappeler justement cela et rappeler que les bibliothèques nationales, dans leur fonction de production de données, de métadonnées autour du livre, avec les éditeurs, contribuent fortement, de manière invisible peut-être, à ce que le livre francophone soit bien présent, y compris sur les réseaux, vous parliez d'Amazon, vous parliez de Google, pour être présent à l'échelle internationale en ligne, il faut comprendre comment fonctionne la diffusion des informations liées aux ouvrages, et cela, ce sont les bibliothèques qui, encore une fois, de manière assez secrète, enfin, il n'y a pas de secret, mais les gens ne le savent pas, discrète, contribuent à réaliser. C'est un élément essentiel parce que sans cela, nous n'arriverions pas à faire vivre le livre en langue française face à la puissance d'autres langues et évidemment notamment de la langue anglaise. Et c'est sans doute aussi pour cette raison que les bibliothèques ont décidé, les bibliothèques des pays francophones ont décidé de se réunir. Parce que pour innover, être ensemble, c'est une bonne piste. Donc ce réseau francophone numérique réunit aujourd'hui une trentaine d'institutions,
encore une fois patrimoniales, notamment Bibliothèque nationale et archives, qui sont situées sur tous les continents et dans une vingtaine de pays où on parle la langue française. Une initiative qui est née plutôt dans les pays du Nord, au Québec et en France, donc à travers l'initiative des deux bibliothèques nationales, mais à laquelle se sont associées très vite d'autres bibliothèques nationales du Nord et du Sud, notamment la bibliothèque du Maroc et l'Alexandrina en Égypte, pour faire en sorte que les institutions se réunissent, travaillent ensemble. On parlait de nécessité d'échange, de trouver des lieux d'échange pour partager les initiatives qui sont les nôtres. Ce réseau francophone en est un, et l'on porte ensemble tout ce qui fait le métier des bibliothèques patrimoniales, la conservation, la diffusion, la valorisation numérique, mais aussi la formation, le partage des compétences, des savoir-faire et l'invention d'outils didactiques, d'échanges d'informations au bénéfice de tous. La date de naissance de ce réseau, je vérifie parce que je n'étais pas encore là, mais c'est 2006, voilà exactement, et puis depuis lors nous n'avons jamais cessé de travailler à fédérer pour innover, donc en étendant le périmètre des bibliothèques qui sont rassemblées, en essayant de se structurer aussi, puisque nous sommes maintenant constitués en association, ce qui nous permet de travailler plus facilement avec des financeurs ou avec des partenaires, en nous organisant, puisque l'on sait que c'est les institutions internationales telles l'OIF, l'UNESCO, l'AUF du côté des universités, sont structurées de manière régionale, donc en essayant de nous structurer très récemment là aussi, l'année dernière, avec des relais régionaux, il y en a un à Tunis, justement. Et puis, enfin, en mettant en place cette bibliothèque numérique qui existe maintenant. Donc, il y a une bibliothèque numérique du réseau francophone qui existe, qui est encore émergente en ce que elle n'est pas massivement alimentée, mais elle est technologiquement très solide et permet donc, on parle là des œuvres patrimoniales, de ce qui n'est pas sous droit, mais qui permet d'apporter partout dans les pays francophones des collections numériques. Elle est technologiquement solide parce qu'elle prend appui sur ce qui existait déjà, donc c'est une innovation qui technologiquement remonte à de nombreuses années. C'est la BNF qui opère techniquement cette bibliothèque numérique à partir de la technologie de la bibliothèque numérique de la BNF qui est Gallica. Ça nous assure évidemment d'être immédiatement fonctionnel, de pouvoir être présent partout et de pouvoir assurer cette diffusion dans le monde entier. Et puis nous allons essayer de continuer à travailler en étant, j'espère, le plus innovant possible pour être le plus fédérateur possible. Et donc nous poursuivons cette organisation en essayant de définir les projets de telle sorte qu'ils correspondent aux besoins de nos membres, mais aussi aux actions de nos partenaires. À l'OIF, je me tourne vers vous, mais est un partenaire historique du réseau francophone. Et parce que nous avons cette capacité à réunir, à fédérer cette trentaine d'institutions, parce que nous pouvons nous reposer sur cette technologie efficace, eh bien nous pensons que nous pouvons en effet être un opérateur efficace de la langue française à travers la diffusion de ces œuvres. Si j'ai encore quelques minutes, j'évoquerai bien quelques secondes. Ce lien avec l'université qui me paraît essentiel, parce que lorsque nous travaillons maintenant depuis un an avec l'AUF, nous faisons la jonction entre le réseau des bibliothèques patrimoniales et des archives et le réseau des universités, on amplifie notre capacité
à aller vers tous les publics, tous ceux pour lesquels vous travaillez, parce qu'on est en relation immédiate avec ceux qui vont se saisir de ce patrimoine pour produire des outils pédagogiques, pour produire des explications, du commentaire sur des œuvres et pour pouvoir les proposer immédiatement aux élèves qui sont présents dans les universités. Voilà, je pense qu'il ne faut jamais, on parle beaucoup de chaîne du livre, il ne faut jamais céder à la tentation d'être, comme vous le disiez, dans le tout numérique. Il ne faut jamais céder à la tentation d'être dans la conjonction peut-être rapide que l'on fait entre innovation et start-up. L'innovation est partout présente et cette chaîne est un continuum à laquelle nous participons, je l'espère. Et je pense que nous allons nous rallier à vos déclarations, puisque nous-mêmes militons pour que, évidemment, les États partout dans les pays francophones se saisissent de cette question de la politique du livre et prennent appui sur les réseaux de bibliothèques qui sont un élément fondamental de cette politique. Voilà, merci. Merci beaucoup, Laurence. Et ben, pour finir, ça me fait une très très bonne transition. Nous allons accueillir Bénédicte Linard. Il paraît qu'elle est dans la salle, mais je ne la vois pas. Voilà, ministre de la Culture, la petite enfance, les droits des femmes, la santé et les médias à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Puisqu'on parlait de chaîne du livre, justement, ça va nous faire une très belle conclusion. La chaîne du livre, elle est très vaste, elle va de l'imprimerie à l'éducation. Et à ce que vous avez initié en Belgique, du coup, bonjour Madame la Ministre. Bonjour, je me permets d'enlever mon masque. Bonjour à toutes et à tous. J'enchaîne directement. Après, ils vont vouloir aller déjeuner. Alors. Oui, une petite adresse à M. Pédurand. Je ne suis pas la bonne ministre, mais je vous rejoins tout à fait. Donc, si votre ministre n'est pas preneuse, je vais bien prendre votre offre pour la Fédération. Je crois que la nôtre arrive dans l'après-midi. Voilà, tout à fait. Je voudrais quand même juste commencer par remercier tous les organisateurs pour ces états généraux. Je pense que ça a du sens de pouvoir avoir ce genre de rencontres, que ce soit l'Institut français ou le comité de pilotage ou encore la Cité de la Culture ici, ou toutes les équipes tunisiennes qui ont rendu ceci possible. Je voulais remercier toutes ces personnes qui se sont données corps et âme qu'on puisse se réunir physiquement ou virtuellement aujourd'hui. Je voudrais faire une petite incise un peu plus globale sur la question de la culture en général. Nous avons fait le choix en Fédération Wallonie-Bruxelles de renforcer l'accès à la culture de manière générale et de le mettre ce renforcement en priorité dans nos actions parce qu'on sait que la culture est essentielle dans une société démocratique. Et donc la base d'une société démocratique repose entre autres sur ce fondement qui est l'accès à la culture, que ce soit simplement pour des questions de plaisir, d'espace de respiration, de loisir, mais aussi d'émancipation, de développement et encore plus d'échange, de partage. Et alors, la culture, je pense, est porteuse de sens et construit aussi la démocratie. Je voulais faire cette petite digression parce que la démocratisation de l'accès aux livres et à la culture et à la lecture participe évidemment à ce renforcement de l'accès à la culture et on travaille évidemment aussi en ce sens. C'est un défi en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est loin d'être gagné, mais je pense qu'on partage ce défi dans le monde. Mais c'est un objectif clair de pouvoir travailler en ce sens. On remarque malgré tout qu'il y a un recul des pratiques, de la lecture comme pratique culturelle, entre autres en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais je pense que c'est partagé un peu partout. Et pourtant, et certainement pas en stigmatisant les jeunes qui développent d'autres compétences aussi qui sont essentielles dans notre société, cette compétence de lecture permet dans un monde de l'immédiateté de développer des capacités de prise de recul, de compréhension et de développement d'esprit critique et qui nous semble essentiel quand on veut que notre société soit constituée de citoyennes et garder cette volonté de démocratie. Et donc, je vais revenir dans quelques instants sur des aspects plus pratiques de ce qu'on met en œuvre, mais je voudrais parler du plan économique aussi, qui a pas mal été évoqué ici. On sait que le secteur du livre est fragilisé.
entre autres par les changements dus au numérique, hein, que ce soit les changements en termes de mode de production, de commercialisation, de promotion, de consommation, aussi parce que nous sommes dans un système extrêmement mondialisé, et on sait que nous fonctionnons face à des géants et des macro-opérateurs, et puis la crise sanitaire n'a pas arrangé les choses et a encore plus fragilisé ce secteur, et donc... J'ajoute à ça la complexification parfois juridique et financière du secteur ou la technicité croissante. Bref, on a un secteur du livre fragilisé. En Fédération Wallonie-Bruxelles, notre secteur se caractérise, entre autres, en ce qui concerne les maisons d'édition, par des petites et moyennes maisons d'édition qui, fatalement, peinent parfois à trouver leur place dans ce monde particulièrement concurrentiel. Et donc, nous avons un point d'attention spécifique à pouvoir soutenir la diffusion, la distribution et le travail à l'exportation. Et donc, il faut mettre en place des solutions structurelles. Et donc, nous avons choisi, mon gouvernement a choisi, dans sa feuille de route, d'inscrire ce qu'on appelle les contrats de filière, et donc d'essayer de développer des contrats de filière, en ce compris en ce qui concerne le livre et la chaîne du livre. Alors c'est quoi un contrat de filière? C'est élaborer et mettre en œuvre de manière concertée entre les différents niveaux de pouvoir, et ceux qui connaissent un peu le paysage politique belge, savent que des niveaux de pouvoir, il y en a beaucoup en Belgique, avec des compétences très morcelées. Et donc faire en sorte que ces différents niveaux décident d'objectifs communs pour soutenir par une stratégie forte la filière professionnelle, ou une filière professionnelle, en l'occurrence le livre et la lecture ici. Et donc le livre et la lecture deviennent une cause commune. Alors vous allez me dire, ça c'est de l'ordre de l'intention, mais clairement ce travail est déjà en cours aujourd'hui. Malgré la crise qui nous a occupés sur beaucoup de choses, on essaye de ne pas être que, en tout cas j'essaye de ne pas être que ministre de la culture en crise, mais aussi ministre de chantier structurel. Et donc on devra articuler évidemment les moyens humains et budgétaires, chacun dans nos compétences, mais autour de ces objectifs communs. On a commencé ce travail puisqu'en 2019, et j'ai parlé de concertation et pour moi c'est extrêmement important, en 2019, le Conseil du Livre nous a remis ses recommandations et ses pistes en la matière. Nous avons de là dégagé 6 axes prioritaires. Je vais me permettre de les citer. Donc la démocratisation et le développement des pratiques de lecture et de l'écriture, l'accès aux nouveaux marchés, l'innovation, la professionnalisation et la structuration des activités, le renforcement de l'interprofession et l'articulation des ressources, et enfin la promotion des acteurs et des activités de la filière. Alors ça, c'est les grandes priorités, elles ont été définies, et aujourd'hui, mon gouvernement est en train de décliner ces priorités en mesures plus concrètes, parce que ça ne sert à rien de rester dans l'ordre du plan. Donc c'est un travail qui est déjà en cours, et le parcours de concertation avec les acteurs, entre autres avec la chambre de concertation qui est mise en place en Belgique francophone, reste évidemment partenaire. Je n'imagine pas qu'on puisse travailler autrement. Et donc, ce sera un contrat de filière qui est complètement neuf. C'est la première fois qu'on mettra en place un contrat de filière en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vais quand même vous faire un petit topo de ce qui existe déjà, puisque c'était aussi votre question, sur les deux aspects, tant la démocratisation alors de l'accès que le soutien actuel à toute la chaîne du livre. En matière de démocratisation de l'accès, je pense que tout le monde l'a dit, on doit pouvoir faire en sorte que le livre, la lecture soit amenée dès le plus jeune âge vers tout un chacun. Et donc on a des initiatives avec l'école, entre autres on a l'initiative Auteur en classe, où des autrices et des auteurs vont rencontrer des élèves et partagent alors autour de leurs œuvres et de leur métier ce qu'ils ont pu créer. Il y a aussi la campagne Fureur de lire, qui est une campagne qui est un partenariat. Donc j'aime beaucoup cette dimension de partenariat. Ici, c'est entre, évidemment, les opérateurs de la lecture publique, mais aussi les librairies indépendantes qui font partie de notre scope et périmètre et d'acteurs avec lesquels on aime être partenaire. Il y a La Petite Fureur, c'est destiné aux élèves de 3 à 13 ans qui, autour d'une œuvre, partent alors dans un processus de création
autour de cette œuvre, après avoir lu ou écouté un récit. Il y a aussi Objectif Plume, qui est une plateforme qui permet de donner aux enseignants tous les outils nécessaires, outils pédagogiques, autour des créations belges, francophones, autrices et auteurs. Et puis, je voudrais mettre l'accent sur deux dispositifs globaux qui ne concernent pas que le livre, mais toute la culture. C'est que vous avez vu, hein, je suis ministre de la petite enfance aussi, on a décidé de renforcer la place de la culture dès les milieux d'accueil. Donc dans les crèches des enfants, on met des moyens pour faire en sorte que la culture soit plus présente, avec une volonté non seulement d'adresser ces moments aux enfants qui fréquentent des milieux d'accueil, mais aussi ceux qui sont dans le quartier, parce qu'on sait combien, en tout cas c'est comme ça chez nous, certains publics n'osent pas, ne pensent qu'un milieu d'accueil n'est pas pour eux, et donc c'est aussi lutter contre les inégalités sociales par la culture. Et dans les écoles, on développe ce qu'on appelle le parcours d'éducation culturelle et artistique, le PECA. Et donc c'est une synergie entre l'école et la culture. Alors je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en tout cas chez nous, l'école, c'est un gros paquebot. Et la culture, c'est un long fleuve tranquille, on va dire. Voilà. En France. Et la culture, les artistes, le monde culturel, on pourrait dire, ce sont plein de petits voiliers. Et à un moment donné, on doit faire en sorte que ce paquebot et ces voiliers se rencontrent. Et c'est en train d'être fait avec une confiance réciproque, parfois à créer entre ces deux mondes. Mais je pense que c'est comme ça qu'on pourra aussi non seulement permettre à tout un chacun de jouir de ses droits culturels, mais aussi de pouvoir être partie prenante, peut-être susciter des vocations par la suite. Et donc, c'est deux éléments sur lesquels on travaille concrètement et qui se mettent déjà en place à la rentrée scolaire ici, dans les maternelles, comme on dit, chez les plus petits, et puis qui va monter petit à petit chez les autres. Alors, je reviens sur le dernier aspect, comment est-ce qu'on soutient aujourd'hui la chaîne du livre du côté plutôt économique. Donc on a vraiment cette idée de pouvoir pérenniser une industrie et son rayonnement avec les spécificités entre autres qui sont les nôtres et dans un système de concurrence. Je pense qu'on doit, et les états généraux sont un peu le miroir de cela, on doit pouvoir renforcer les collaborations avec toutes les partenaires potentiels de par le monde aussi, renforcer ces collaborations et les échanges, ce qu'on vit aujourd'hui, je pense, l'échange de pratiques, mais pas seulement l'échange des difficultés de terrain, et aussi voir ensemble quelles sont les pistes de solutions, c'est fondamental. Mutualiser les expertises, surtout quand on est petit, eh bien, la mutualisation, à un moment donné, permet de prendre une place différente sur... alors, j'ai pas envie de dire marché, mais c'est un petit peu ça aussi, aujourd'hui, mais ce n'est pas évidemment pas que ça. Il y a tout le travail de formation qui est en train d'être développé, des formations face aux enjeux, en fait, c'est un peu ça, la professionnalisation, on dit à un moment donné, c'est les enjeux qui sont réels aujourd'hui, que ce soit par rapport au référencement des ouvrages, que ce soit par rapport à la production de contenu numérique, que ce soit en matière de gestion de métadonnées, tout ça fait partie de la réalité aujourd'hui du monde du livre. Donc j'ai évoqué la participation à des rencontres internationales. On s'est aussi donné deux outils qui sont... deux outils. Alors, je dis outils, mais derrière, il y a des personnes. Donc, je ne considère pas les personnes comme des outils, mais en tout cas, les structures sont des outils. C'est le PILEN. Le PILEN, c'est un partenariat interprofessionnel du livre et de l'édition qui réunit non seulement... des auteurs et des autrices, des éditeurs, des éditrices, des distributeurs, mais aussi les bibliothèques publiques, les librairies indépendantes. Et en fait, c'est un partenaire essentiel pour le politique de pouvoir, à un moment donné, travailler avec ce genre de partenariat. Ça permet de renforcer les solidarités au sein même de la chaîne, mais ça permet aussi de mettre en place des actions en phase avec toute la chaîne du secteur du livre. On a d'ailleurs dans la crise pas mal travaillé avec le PILEN pour mettre en place l'action Lisez-vous le Belge, qui était une façon de donner accès à la culture dans des temps où cet accès a reculé à cause des multiples confinements. Et puis le deuxième outil, c'est la gouvernance culturelle. Alors je viens évidemment avec des dimensions un peu plus politiques, mais on s'est donné un nouveau décret de gouvernance culturelle avec des nouvelles chambres de concertation qui sont aujourd'hui des partenaires privilégiés pour le politique, parce que en fait cette chambre de concertation de l'écriture et du livre, ce sont des professionnels qui s'y trouvent, et ça permet de ne pas être dans une tour d'ivoire en tant que politique et prendre des mesures qui n'auraient aucun sens, ou au contraire de ne pas s'y intéresser, puisqu'on a sans cesse cette piqûre de rappel tout à fait légitime et juste de pouvoir faire face aux enjeux. Je vais conclure. Vous allez conclure pour tout le monde alors, du coup. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais conclure mon intervention
si je peux, et merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je pense que la culture en général et le secteur du livre en particulier sont fragiles quand ils ambitionnent de promouvoir la diversité de création et un accès égal pour les citoyennes et les citoyens. Ce sont pourtant des valeurs démocratiques qui doivent rester non négociables à mon sens, et je pense qu'en tant que ministre de la Culture, il est important de rappeler cet attachement à ces valeurs démocratiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci à vous tous. On a un peu dépassé, mais on peut aller déjeuner maintenant dans la chaleur. Merci à vous. Au revoir.